Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, j'ai donné mon retour sur un produit de la marque The Ordinary. Je précise tout de suite, c'est un produit qui est fait à la base pour les cheveux. Mais je me suis dit, on sait jamais, peut-être que ça peut fonctionner pour la barbe. Mais ne t'inquiète pas, si tu n'as pas de barbe et que tu as des cheveux et que tu es une fille ou un mec, cette vidéo est aussi faite pour toi parce que ma copine qui a, elle, des cheveux, l'a testé et du coup, m'a donné son retour. Donc je te laisse avec l'intro et je te reprends. Yeah. Donc les mecs, comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de ce produit. Donc ce produit c'est quoi? C'est un produit pour les cheveux qui s'appelle Multipeptide Serum for Hair Density. Donc c'est un produit pour la densité des cheveux. Donc ce qui est écrit, c'est sérum capillaire multipeptide densifiant. Un sérum concentré pour des cheveux ayant l'air plus épais, dense, volumineux et sain. Alors, avant de faire mon retour sur ce produit, on va déjà dire la bienvenue aux deux derniers abonnés. Comme d'habitude, les deux noms juste ici. Bienvenue à vous. Alors, comme je te le disais, ce produit à la base est fait pour les cheveux. Mais je me suis dit, quand je l'ai vu sur le site, pourquoi pas l'essayer. Peut-être que ça peut fonctionner pour la barbe. Parce qu'on va dire que c'est un peu le même fonctionnement. C'est des poils, cheveux, poils, etc. Je me suis dit ça, hein, tout simplement. Donc, on va commencer d'abord avec le retour de ma copine, vu que c'est un produit pour les cheveux. Elle m'a fait des petites notes. On va commencer avec le point négatif qu'elle a remarqué. Donc, c'est sur cheveux longs, pas très simple à appliquer. Donc, en fait, vu que c'est des gouttes que tu dois mettre sur ton cuir chevelu. Voilà, elle disait qu'avec ses cheveux longs, voilà, écarter les cheveux et mettre goutte à goutte, c'est un peu relou. Et aussi le fait que sur le crâne, tu dois mettre quand même pas mal de gouttes. Voilà, c'était le point négatif qu'elle a remarqué. Le point positif, ou plutôt les points, vu qu'il y en a deux, c'est ne graisse pas les cheveux. Deuxième point positif, c'est que vu qu'il s'applique le soir, du coup, ça n'entache pas le fait de ta coupe que tu vas avoir dans la journée, parce que c'est un produit que tu dois utiliser une fois par jour. D'ailleurs, je vais vous lire le mode d'emploi. Appliquer quelques gouttes une fois par jour, de préférence le soir sur le cuir chevelu propre et sec, masser minutieusement le cuir chevelu pour faire pénétrer le sérum. Cette formule est un soin sans rinçage, ne pas se laver les cheveux ou le cuir chevelu après l'application. En cas d'irritation, cessez l'utilisation et consultez un médecin. Voilà ce qui est marqué derrière. Ce qu'elle a remarqué au bout d'un mois d'utilisation, parce qu'il faut savoir qu'elle allait chez sa coiffeuse, elle avait remarqué que au niveau des repousses, soit des cheveux qui avaient repoussé ou des petits cheveux qui avaient poussé, elle avait l'impression qu'ils avaient mieux repoussé. Ensuite, quand elle allait chez sa coiffeuse a remarqué une chose automatiquement, c'est la brillance des cheveux. Alors, je vous lis ce qu'elle a marqué. Donc, lors de mon rendez-vous couleur, ma coiffeuse a de suite remarqué la brillance de mes cheveux qui semblaient mieux nourris. Donc, la coiffeuse a automatiquement vu une amélioration avant même que ma copine lui dise qu'elle avait commencé un traitement avec ce sérum. Pour la pousse, les petits cheveux semblaient plus nombreux, mais il faut 3 mois pour qu'un produit de ce type stimule le bulbe et que les résultats soient visibles. Voilà, ça c'est en fait, c'est la coiffeuse qui lui a dit que ce genre de produit, il fallait attendre quand même 3 mois pour voir vraiment des résultats visibles. Mais au bout d'un mois, elle a quand même vu des cheveux plus brillants et des boucles plus formées. Alors, voilà son retour, en tout cas pour elle, en termes de cheveux. Donc pour les personnes qui ont des cheveux ternes ou qui trouvent que leur pousse n'est pas géniale, je pense que ce serait intéressant de voir sur ce genre de produit. Maintenant, on va venir à la barbe. Alors pour la barbe, ça ne va pas être génial parce que moi, ce produit, je l'ai utilisé un mois. Ce que j'ai fait pendant le mois d'utilisation, c'est que j'ai arrêté complètement l'utilisation de l'huile de ricin. Tu sais que moi, ma routine, normalement, en journée, je mets de l'huile de ricin mélangée à une autre huile par rapport à l'odeur. Et le soir, j'applique mon baume fait maison. D'ailleurs, je te mettrai le lien juste ici pour que tu puisses checker la recette de ce baume. Donc, j'ai arrêté complètement l'huile de ricin parce que moi, l'huile de ricin, honnêtement, quand j'utilise, je vois ma barbe plus dure, plus brillante. Voilà, elle pousse mieux, etc. Maintenant, j'utilise ça. Alors, ce que j'ai remarqué, ben rien de spécial, honnêtement. Ce que j'ai remarqué surtout, c'est que ma barbe était plus sèche. Tout simplement parce que j'utilisais plus l'huile de ricin. Toi, voilà, elle est très nourrissante, elle est relativement grasse, il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Mais moi, pour ma barbe, c'est génial. Donc, en utilisant que ce produit et utiliser une huile à barbe, la journée normale, toi, pas l'huile de ricin pure, ben, j'ai pas vu
des résultats probants, en tout cas pour moi. Et ma barbe, je trouve qu'elle redevenait cassante comme elle était avant que j'utilise l'huile de ricin. Quand à l'époque, j'utilisais qu'une huile à barbe basique et je n'utilisais pas mon baume fait maison, tu vois, avec du beurre de karité, huile de ricin, etc. Ben, je voyais que ma barbe était cassante et là, j'ai vu que voilà, ce sérum n'est vraiment pas fait tout simplement pour la barbe. Donc, c'est un sérum avec plein de peptides, comme tu sais. Ce qui est peptide, c'est vraiment pour nourrir en profondeur le bulbe, etc. Là, en tout cas, dans ce cas-là, j'ai eu un petit message. Ok. Dans ce cas-là, c'est vraiment pour nourrir le bulbe, etc. Et dans d'autres sérums, comme je te montrais, toi, tout ce qui est buffet pour la peau, ben, les peptides, là, elles nourrissent la peau. Voilà, c'est des choses vraiment très intéressantes dans le grooming. Donc voilà pour ce petit retour sur ce produit. Je pense que la vidéo ne va pas durer super longtemps. En tout cas, c'était, je trouve, intéressant de voir si ça pouvait fonctionner sur la barbe. On teste tout ce qui a été testé. Et de toute façon, ma chaîne est là pour ça. Hein. Au cas où, si tu as vu ce produit sur le site DCM et que tu te posais la question si ça pouvait fonctionner sur la barbe, bah, tu as la réponse, en tout cas pour ma barbe. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura servi ou inspiré. Bref, je vous laisse là, je vous dis à une autre vidéo, grooming ou fashion. Allez, peace les amis.